Artist Factory Network présente. Ça, c'est une découverte Just for Talent. Voilà, vous êtes de retour sur Just for Talent, Aime la musique, spéciale fête de la musique. Et comme vous le savez, on parcourt un certain nombre d'artistes qui sont inscrits sur le site de notre partenaire Artist Factory Network. Et là, on a le plaisir d'accueillir un groupe qui s'appelle Pauline Stone. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter l'ensemble de vos collègues? Oui, bien sûr. Alors, tout à gauche, c'est Dimitri, le batteur. D'accord. Et à ma gauche également, Bruno, qui compose musique, paroles, etc. En fait, j'allais dire, et je devine que vous êtes Pauline. C'est ça, exactement. D'accord. Et comment est né ce groupe Pauline Stone? Eh bien, quand j'étais encore au lycée, Bruno est venu faire une présentation de son association musicale dans mon lycée. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Ça fait un peu plus de 3 ans aujourd'hui. D'accord. Et donc, on est en trio depuis un peu moins d'un an maintenant. Alors, comment vous travaillez ensemble? Qui compose? Qui écrit? Comment ça se passe? Je veux tout savoir. Alors, comme je l'ai dit, c'est Bruno qui compose, qui m'écrit des chansons, paroles, musique, arrangements. C'est lui qui est un peu le magicien du groupe. Alors, passez la parole, le micro au magicien qui m'explique un petit peu tout ça. Alors, Bruno, comment ça se passe justement? Comment vous élaborez les chansons pour Pauline? Bah en fait ça s'est fait comme ça, j'ai pas vraiment de plan d'action, on a commencé par une chanson, puis deux, puis trois, et puis là on arrive à 8, 10, enfin on arrive à 14, et c'est, voilà, c'est sur donc ça. Et en fait c'est en travaillant ensemble qu'on a trouvé la couleur, etc. Et après on travaille avec Dimitri, on fait des arrangements, on répète, on fait un boulot de groupe. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Et bah c'est parfait, en tous les cas, chers téléspectateurs, si vous aimez Pauline Stone, que vous allez découvrir dans un instant, n'hésitez pas à les soutenir sur le site de notre partenaire www.artistfactorynetwork. En tous les cas, nous ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va se les écouter parce que c'est vraiment très sympa. Merci Pauline Stone. Merci à vous. Merci. C'est parti. À chaque fois que je te revois, une onde choc parcourt mon corps et je ne me rappelle plus du tout si on s'était laissé le choix. Oh non, non, non. Y'a comme un vide dans ma mémoire qui m'arrange bien pour moi. J'ai pas su quoi te dire, j'ai jamais su parler. Quelle était belle notre histoire. J'ai envie de pleurer. Est-ce que tu penses encore à moi? Faut plus que je pense où je vais finir dans un sale état. Quelle était belle notre histoire. Pourquoi t'en voulais pas? Non, 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 non. Que des bêtises, des quiproquos, une accumulation broutille des montagnes de faux numéros pour ne pas se dévoiler. De se jeter à l'eau, ce fut fatal et malhabile. Oh, oh, oh. Je peux encore vivre cette histoire, terminée avant d'avoir commencé. J'ai pas su quoi te dire, j'ai jamais su parler. Quelle était belle notre histoire. J'ai envie. Tu penses encore à moi? Faut
Quelle était belle notre histoire, pourquoi t'en voulais pas? Pas la peine de te demander si je te manque autant qu'à moi. Quand tu m'évites sans me regarder, j'aimerais. J'ai jamais su parler. Quelle était belle notre histoire. J'ai envie de pleurer. Ah, ah. Est-ce que tu penses encore à moi? Faut plus que je pense où je vais finir dans un sale état. Quelle était belle. Découvre et soutient des milliers d'artistes de talent sur www.artistfactorynetwork.com, le premier réseau social au monde consacré à la promotion artistique et au mécénat culturel.